Tous les géants sont-ils tués? Et les sorcières envolées? Suis-je à l'abri dans la nuitée? Géants et sorcières ont bien fui, mon petit. Et dans ton lit, tu es à l'abri. C'est moi qui... Le roi. Je suis le roi. Je suis le roi ici. Alors dis simplement messire, monseigneur, sire, ou bien votre majesté, ou votre seigneurie, ou alors... Sire, votre seigneur, voilà. Je me nomme Arthur, et je crois bien que je me suis perdu. Ou alors je rêve. Ah, il rêve. Il rêve. Alors ça, regarde autour de toi. Tout cela n'existe pas. Ce ne sont que des contes de fées. Tu en as lu au moins? C'est-à-dire, je préfère la science-fiction, les robots dans les étoiles qui... Oh non! Non! Rends-toi compte, fiston. Si personne ne lit les contes de fées, nous ne pouvons pas exister. Mais non, sire, je vous jure... Ne jure pas devant moi.
Tu es venu ici, tu es là, et après tout, c'est bien fait pour toi. Adieu, jeune homme, et bonne chance. S'il vous plaît, où suis-je? Bonjour, mon garçon. Tu es venu me voir? Non, je me suis perdue. Es-tu allé où? Je ne sais pas. Ah, c'est drôle ça, tu ne sais pas. Tu as perdu la mémoire? Non, je ne crois pas. Je m'appelle Arthur et j'habite Orléans. C'est très bien. Et moi, tu me reconnais? C'est un jeu? Non, mais dis-moi, je ne te rappelle personne? Si, ma maman. Mais non. Écoute, je vais t'aider. Je suis le petit chaperon rouge. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai lu votre histoire avec le loup. Mais vous êtes sûr? Vois-tu, dans ce pays vivent tous les personnages de contes de fées. Tous ceux que tu verras et rencontreras sont des héros de ces contes. Seulement, depuis quelque temps, nous vieillissons. Nos cheveux blanchissent. Bof, tout ça c'est normal. Mon père aussi a les cheveux blancs. Non, ce n'est pas pareil. Normalement, nous ne devons pas vieillir. Nous sommes là pour toujours. Jeunes, beaux. Et il se passe quelque chose d'étrange ces derniers temps. Le décor s'estompe et nous disparaissons tous petit à petit. Adieu, sorcières, géantes, farfadées, rois et reines, dragons. Madame, ne bougez pas. Derrière vous, il y a... J'ai très mal aux jambes. Et puis j'ai encore très mal dormi. Bon, nous y allons. J'ai dit à ta mère que nous serions chez elle pour déjeuner. Dépêchons-nous, nous sommes vraiment en retard. Excusez-moi. Oui. C'est que... Ah oui, Rudolf, voici Arthur. Un peu maigre. Arthur, je te présente le grand méchant loup, Rudolf, Trévidec de Saint-Urial. Enchanté. Arthur est perdu, il cherche son chemin. Son gamin? Non, son chemin. Chemin. Chemin, c'est pareil. C'est toujours tout droit. Jusqu'au promontoire. Toujours tout droit. Dis, tu n'aurais pas un bout de chocolat? Dépêchons-nous. Viens, Rudolf. J'arrive. Habitue. Thank you.
Tu ne rates jamais? Pas souvent. Je suis bien entraînée. Puis-je faire un essai? C'est qu'il faut que vous fassiez très attention. C'est promis. Extrêmement attention. Pourquoi? De peur que la chaîne ne se casse et que la boule ne tombe à l'eau. Et alors? C'est peu profond. Je pourrais la repêcher. Ce n'est pas si facile que ça. C'est qu'il y a un crapaud dans le puits. À moins que ce ne soit une grenouille. Venez voir. C'est un crapaud. Cela se voit du premier coup d'œil. Enfin, peu importe. Si la chaîne se rompt et si la boule tombe dans le puits, il ne la rendra que si... Que si quoi? Que si je promets de l'épouser. Vous en êtes sûr? Oui. Ce crapaud dans le puits, il devrait plutôt se marier avec un autre crapaud ou une grenouille. Vous ne savez pas où nous pourrions en trouver un? Si, je pense. Eh bien alors, il n'y a pas de problème. Au contraire, la vraie fiancée du crapaud est une grenouille. Mais elle a disparu. Je n'y comprends pas grand-chose. Vous finirez par comprendre, enfin j'espère. Vous voulez jouer? Oui, peut-on s'éloigner du puits? Je n'y aurais jamais pensé. Mais à vrai dire, c'est le meilleur endroit pour jouer. Je pense que vous le faites exprès, mademoiselle la princesse, afin de rendre le jeu plus excitant. Oh non, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas d'ici. Peut-être. On joue ? L'important, c'est qu'elle ne soit pas tombée à l'eau. Vous voulez sortir? Qui a parlé? Il veut sortir. Qui parle? C'est moi. Bon sang. Ne nous faites pas croire que tu n'as jamais vu une porte qui parle. C'est-à-dire, des fois, à la télévision? À la télévision. Oh, 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 oh. Vous n'êtes pas d'ici, toi. Tu voulais sortir. Je cherche le chemin pour aller chez moi. Oh. Pour entrer chez toi. Oh, 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 oh. Vous êtes drôle, toi. Nous voulons rentrer chez nous. Oh. Je peux entrer? Si il veut, tu peux entrer. Nous devons juste payer le prix. Je dois payer? Mais je n'ai pas d'argent. Vous devez payer. Vous payâtes. Vous aviez payé. Vous pouvez entrer. Il peut, nous voulons. Vous pouvez. Nous irons. Il ira, ira pas. Allez, 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 passe. Passez, passez, pourront, pourrez, entrez, sortez, entrez, sortir, entrez, tu passes, il passait, nous partons, vous alliez, il peut, partons, nous voulons, vous pouvez, nous irons, ira, allez, 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 passe, 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 passe. Et si je lui trouvais un autre crapaud? Lucy Belle serait tranquille. C'est étrange, cette histoire de se marier avec un crapaud. Peut-être va-t-il se transformer en prince. C'est des idioties, tout ça. Si j'avais une épuisette, j'attraperais la bestiole. Je la mettrais dans un bocal. Oh, c'est quoi ce truc? N'y touche pas! Oh, vous m'avez fait peur! Je ne vous ai pas vu arriver. Moi non plus, mais je suis là. Pourquoi ne faut-il pas y toucher? C'est un talisman. C'est visible, non? C'est quoi un talisman? Un talisman est un objet magique mis en place pour se protéger de quelque chose de dangereux. Tout est magique par ici. C'est une manie. Et qu'y a-t-il de dangereux? Je ne vois rien. On ne voit pas toujours le danger.
Sache que là-bas, derrière, tout au bout de ce sentier, habite Ekubena, la sorcière. Une sorcière? Mais je croyais qu'elles avaient toutes disparu. Chut, il ne faut pas en parler. Elle pourrait nous entendre. Vous l'avez déjà vue? Pas depuis longtemps, mais ça m'a suffi. Dis-moi, tu n'as pas peur? Un peu. Viens avec moi. On va manger et tu me raconteras ce que tu fais ici. Quel est ton nom? Je m'appelle Arthur. Et vous? Quoi, moi? Tu ne me reconnais pas? C'est-à-dire? C'est de pire en pire. Mais regarde! Je suis Jack. Jack, le tueur de géants. Vous êtes vraiment Jack, le tueur de géants? Mais oui. Regarde ces cheveux au mur. Ce sont les tresses des géants que j'ai tués. Combien vois-tu? 1, 2, 3, 9, 10, 11... 13, c'est exact. 8 géants, 3 géantes et un ogre, non une paire, ça fait 12, non 13. Et j'ai conservé à chaque fois une mèche de leurs cheveux. Des authentiques cheveux de géants, tu ne verras pas souvent cela. Moi, Arthur, tu ne veux pas te reposer un peu? Tu as l'air fatigué. Oh, oui, merci beaucoup. Je peux ouvrir la fenêtre? J'ai un peu chaud. Ah non, pas ici. À cause des gobelins? Des gobelins? Ils sont méchants? Non, pas du tout, mais j'en veux pas dans ma maison. Allons, dors bien. Et ils habitent où, ces gobelins? Ils se cachent dans une crevasse près du promontoire. Mais personne ne va là-bas, personne, tu entends? C'est un endroit dangereux. À plus tard, Arthur. Tout ça, c'est quand même très étrange. Une princesse, un roi, une sorcière, le crapaud. Et puis maintenant, cette histoire de géant. Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé, Lucibelle? Dites-moi! Dites-moi vite! Vous vous en doutez! C'est épouvantable, c'est affreux! La chaîne s'est encore cassée! Et à présent, la boule est dans le puits! Vous n'avez pas pu la repêcher? Elle a coulé! Elle a disparu comme si quelqu'un ou quelque chose s'en était emparé. C'était affreux. La cour est devenue toute sombre, comme avant l'orage. L'eau du puits est devenue trouble, toute boueuse. Et s'est mise à bouillonner, à tourbillonner. Alors une voix dit: c'est toi que j'épouserai. Et ici tu m'attendras. Il n'y aura aucun endroit où tu puisses te cacher. Dans un délai de 7 jours, tu seras à moi pour toujours. C'est quoi ce truc? J'ai l'impression que quelqu'un se moque de vous. Bon, cela nous laisse une semaine. Dites-moi, comment tout cela a-t-il commencé? Comme d'habitude, une mauvaise fée à ma naissance m'a jeté un maléfice. Mais que vous reproche-t-on? Je ne sais pas. Mais si j'épouse le crapaud, mes parents vont être très embarrassés. Il faut refuser. Si je refuse, tout va s'évaporer en fumée. Mes parents, le château, les jardins, tout, même moi. Cela divertit beaucoup les mauvaises fées. Qui est cette mauvaise fée? C'est Pimpriquel. On ne la voit jamais. On l'entend seulement ricaner. Oh, j'ai une idée! Il faut trouver l'autre crapaud. La grenouille, celle qui a la pierre précieuse sur la tête. Dites-moi, Dulcibelle, avez-vous peur des sorcières? Oui. Moi aussi. Mais seule une sorcière peut nous aider. C'est logique. Une sorcière est au courant de tous les maléfices. Bonjour madame. Je vous souhaite le bonjour, mon petit monsieur.
nous avons dû nous tromper. Nous cherchons une personne appelée Ekubena. Ah, vous cherchez ma tante? On ne vient plus la voir comme autrefois. Oh, pourquoi donc? Elle a pris sa retraite, en quelque sorte. Pourtant, elle aime bien les visites. Attendez-moi un instant. Je vais voir ce qu'elle en dit. C'est toujours une sorcière. Tu me rires, mon garçon. C'est la plus terrible sorcière du pays. Petit tour. Elle se nomme Dulcibelle. Ça devait arriver. Et tu veux la grenouille à la pierre précieuse? C'est-à-dire, oui, si vous pouviez. Je ne l'ai plus. Il y a bien longtemps. Sur le promontoire, le géant me l'a volé. Il est invulnérable maintenant. Je croyais que Jack avait tué tous les géants. 12 seulement. Il y en a un 13. Et Jack aimerait bien l'avoir. Mais la grenouille le protège. Y a-t-il un moyen de monter en haut du promontoire? Eh bien, il y a la crevasse au gobelin. Ouf, ce fut une bonne grimpée. Oh, un gobelin! Bonjour! Ils sont sans défense, sauf quand ils volent. Et s'ils se mettent en couple, c'est pour la vie. Je n'aurais jamais cru que les lutins avaient cet air-là. Les lutins ne ressemblent pas du tout à ça. Ceux-ci sont des gobelins. Ils ressemblent plutôt à des gargouilles, comme sur les églises. Vous trouvez? En tout cas, ils adorent se faire caresser. Allons-nous rentrer à présent? Je pense que l'on pourrait monter encore un peu plus haut. Vous pouvez m'attendre ici. Non, je préfère vous accompagner. Nous y sommes. C'est là qu'il habite. Si nous restons assis sans bouger, nous l'apercevrons peut-être. Il pourrait nous voir aussi. Ce serait sans importance, car nous irions nous mettre à l'abri dans la crevasse avant qu'il ait le temps de dire ouf. De dire fifi fofou, c'est plutôt le genre d'exclamation qu'il serait à même de pousser. Regardez là-bas, on aperçoit son palais. Bof, il n'a pas l'air très grand. Dites-moi, Dulcibelle. Oui? Sérieusement, tu y crois cette histoire de géant? Grenouille et tout ça? C'est quand même pour les gamins, non? Ça fait longtemps que tu joues à la princesse et... Vous n'entendez pas? Quoi? Non. Mais si, écoutez, on dirait que le vent se lève. Ce n'est pas le vent. C'est un criquet. Elle est ici. Oh, je la sens. C'est affreux. Vite, redescendons, vite. Elle est bouchée.
pas rester là. Mais où aller? Nous sommes bloqués ici. Venez, nous trouverons peut-être un autre passage. Écoute, on dirait de l'eau. C'est sans doute une source. Descendons voir. J'ai soif, pas toi? J'ai faim et j'ai peur. Tout ira bien, viens. Tu sais, je t'aime beaucoup en princesse. Vous l'avez tué? Qui ça? Lui, le 13e géant. Eh oui, enfin je l'ai tué. Il n'est jamais trop tard. Ah, ce géant, je l'ai eu du premier coup. Ça finit bien tout ça. À vrai dire, je mangerais bien quelque chose, pas vous? Lucibel, je voudrais te dire quelque chose de très important. Moi aussi, Arthur. J'ai quelque chose à te dire. Tous les géants sont-ils tués? Et les sorcières ont volé? Suis-je à l'abri dans la nuitée? Géants et sorcières ont bien fui, mon petit. Et dans ton lit, tu es à l'abri.